Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve le lendemain de mon anniversaire et on va en fait aller au Lego Store de Bordeaux et peut-être qu'il y aura Pico qui va nous rejoindre. Je pense que oui, il m'avait dit oui, mais on sait jamais s'il y a un petit imprévu. Comme ça, on va prendre directement une boîte dans le store, après on ira visiter aussi le Pickwick Toys et après, il faudra qu'on rentre avant le couvre-feu qui est maintenant à 19h, donc ça nous laisse quand même plus de temps que s'il était encore à 18h. Donc là, on va pas tarder à prendre la route et aller à Bordeaux. Donc voilà, donc j'ai vraiment super hâte. Et on verra bien tout ça. Je filmerai tout dans le store et tout. Donc ça fera un bon vlog, je pense, pour la chaîne. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Allez, let's go! En fait, maintenant les trucs à la pièce, tu peux plus prendre. Non, bref. Ah ouais, ok. C'est pas mal comment ils ont fait là. Ah, la baraque d'Abbé. L'arc de triomphe. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit. T'as Friends et tout. Hein? C'est là, c'est quoi? La maison entière, il m'a mis de côté le mec. Enfin, après, je la vois pas. Mais... Hey les amis, ben cette fois-ci je suis arrivé de Bordeaux, donc c'était vraiment une super journée. Franchement, déjà je remercie ma mère et tout d'avoir été avec moi au store et tout, c'était vraiment trop cool. Du coup on est arrivé vers 10h à Bordeaux au Lego Store et tout. Donc Pico m'a rejoint, donc franchement merci à toi, c'était vraiment superbe de te rencontrer en vrai et tout, d'avoir discuté de Lego, d'avoir fait tout le tour du store, d'avoir fait notre petit pot de pièces et tout, d'avoir acheté nos petits sets et tout, donc c'était vraiment super cool. Puis après on a mangé, au final j'ai fini par manger au McDo parce qu'on trouvait rien. Il y avait tellement de monde à Bordeaux avec la queue et tout, c'était vraiment le bordel. Et après on a été au Pickwick Toys de Bordeaux. Et du coup vous verrez tout ça dans le Lego Hall. Dans le hall, mais il va être vraiment super long entre tout ce qu'il y a eu. Parce qu'en plus au Pickwick Toys, ils avaient organisé un truc de 14h à 16h. On pouvait en fait venir et échanger des figurines. Plus il y avait un petit atelier construction, on pouvait faire des petits polybags. Du coup t'as mes sœurs qui ont fait quelques petits sachets en construction. Plus ils m'ont offert un gros sac avec pas mal de trucs dedans pour mon anniv. En même temps j'ai pris une boîte là-bas, donc vous verrez ça aussi dans le hall. Mais franchement c'était vraiment super cool. Pico c'était génial, le Lego Store et tout c'était cool. Les cannelés étaient bons d'ailleurs de... Je sais pas comment ça s'appelle, Briardin ou un truc comme ça. Et après qu'est-ce qu'on a fait aussi? Bon le McDo, ça reste un McDo. Ouais, puis dans le au Pickwick Toys, c'était sympa l'ambiance. Il y avait quelques jeunes qui ont ramené des figurines. Et du coup, vous verrez dans le hall, moi j'avais ramené quelques figurines que j'avais en double de la CMF DC et Disney. Et je sais plus, je crois la série 16 ou 17.
Et du coup, en fait, on pouvait les amener, les mettre, et puis après, ben, prendre par rapport à ce que le Picorito, ils avaient en stock, déjà ouvert, ben, échanger. Du coup, moi, voilà, je mettais mes figurines, j'ai repris les leurs. Enfin, franchement, c'était vraiment super cool. Et ils vont faire ça presque tous les mois, je crois, le troisième samedi du mois, un truc comme ça. Bon, j'y descendrai pas tous les mois, parce que ça me fera beaucoup de route quand même, mais j'essaierai d'y aller, on va dire, presque tous les 2 mois, ou un truc comme ça, on verra, après, en fonction, du rythme et du Covid et tout, mais. Enfin, franchement, c'était vraiment super cool. Donc là, bah, heureusement, pour l'instant, j'ai pas remis ma ville sur la table avec le Falcon qui est passé dessous. Parce que comme ça, je vais pouvoir vous faire le haul. Enfin, j'espère que ça passera parce qu'il y a quand même des boîtes assez grosses. Peut-être que tout ce qui est du mur pic-à-brique, je ferai une vidéo à part pour vous montrer les pièces que j'ai choisies et tout. Ce sera plus simple parce que sinon, ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Enfin, voilà. En tout cas, pour le vlog, c'est vraiment super cool. C'était une belle journée, un bon anniversaire. Et puis, j'ai vraiment apprécié. C'était incroyable et... Ben voilà, j'oublierai jamais ce jour-là, c'était vraiment cool. Et donc voilà, ben encore merci à tout le monde, merci ma mère, merci Pico, merci le Picquick Toys de Bordeaux, enfin surtout Jérémy du Picquick Toys, c'était vraiment trop cool. Et donc voilà, donc j'espère au moins que ce vlog vous aura plu. Moi, ça restera gravé dans ma mémoire. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.